Bonjour, bonjour la team, j'espère vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi, le 30 septembre, on est le jeudi. Je suis complètement décalée cette semaine, je suis désolée. Alors désolée pour ma voix cassée aussi, j'ai une crève carabinée, je crois que j'ai attrapé une... Alors je réseau toussé, etc. Une angine, voilà, donc tout va bien en ce moment, c'est... Tout va bien. Donc, ben, comme vous pouvez voir, vous aurez vu aussi dans le titre, j'ai reçu un colis. Donc, hier, je n'étais pas rentrée encore du boulot. Donc, là, je suis allée le chercher à la poste. Et donc, c'est ma petite Véro. Voilà. Véronique, elle m'avait déjà envoyé des choses. Et ben, là, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas du tout que j'allais recevoir quelque chose. Donc, ben, je suis surprise. Je suis surprise du colis, quoi. Et comme d'hab, bah voilà, ça me gêne. Donc, je lui ai envoyé un petit message. Elle m'a pas répondu sur Facebook. Et bah, je te remercie à l'avance. Enfin, aussi pour la remercier à l'avance et avant d'ouvrir. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Voilà. Hop. Pour l'instant, je suis debout. Ah, c'est une catastrophe, cette crève. En même temps, il fait chaud, il fait froid. C'est... Alors, hop, hop, je sais pas comment faire pour ouvrir. J'ai pas envie d'abîmer quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est la surprise totale. Hop, et hop. C'est bien scotché, hein, pour le coup. Hop là, allez. Donc, je vous montre et je vais poser ça après à côté. Donc, voilà le colis. Comme ceci, elle me l'a super bien emballé avec du bulle. Et voilà comment il se présente. Alors, c'est parti, je vais mettre ça à côté. J'ai la chienne qui a chaud. Alors, on va commencer par la carte. Ah, c'est super, j'aime bien ça. Alors, elle m'a pris une enveloppe comme ceci et elle a mis en fait plein de petits autocollants dessus pour, ben, pour la décorer. Et je trouve ça super sympa. Ça change que d'une enveloppe traditionnelle basique, quoi. Enfin ouais, ça fait super sympa, j'aime bien. Alors, tac. Ah, tu m'as envoyé... Elle m'a envoyé la carte du sketch. Énorme, j'ai reconnu direct hein, le sketch. Tic, tac, tac, hop. Oh, génial! Ah, super, regardez. Alors, c'est le sketch qu'on a fait la dernière fois. Et donc, du coup, elle m'a envoyé sa carte du sketch. Ah, oh, c'est génial! Ah, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Ah, c'est top! Oh, c'est mignon, Véro. Alors, donc elle revient de vacances et sa voiture a atterri par inadvertance chez Action. Mais comme elle me dit, elle n'a pas été que chez Action. Et donc, voilà. Alors, hop, tac, à l'intérieur, c'est comme ceci. Alors, ça, c'est ce que j'ai utilisé justement dans ma dernière carte avec les petits volets comme ça. Voilà, donc là, j'ai mon petit mot. Et derrière, elle a même décoré le derrière. C'est super sympa. Je suis super contente que tu m'as envoyé le sketch. C'est génial. J'adore. Et eh bien, il est super bien réussi. En plus, là, je l'ai vu sur. Tu l'avais mis sur le groupe, il me semble. En tout cas, les sketchs, vous avez fait des choses toutes super sympas, toutes différentes et tout. C'est vraiment chouette, quoi, de voir en fait, justement, à partir d'une idée, ce que tout le monde peut faire. Et moi, je trouve ça vraiment trop, trop bien, quoi. Alors, j'ai la chienne à la tête en bas. J'ai l'impression qu'elle va tomber. Je ne vous dis même pas. Ça fait un peu comme l'autre fois, quoi. Alors, donc, comme vous avez pu voir, on a un gros paquet de bonbons comme ça. Des Haribo. Ah, c'est des bonbons de Noël. Trop bien. Ouais, je sais, mais tout le monde dit, ouais, il y a déjà Noël, il y a déjà Noël. Oui, mais bon, là, on arrive... Mais demain, en octobre...
Ouais, il reste 2 mois, quoi. Enfin, 2 mois et demi, enfin, 3 mois, on va dire, en gros. Mais ça passe super vite, quoi. Donc, bon. Alors, deux coups de danse qui remplacent les oursons. On a des petits bonhommes de neige. On a quoi? Bah, je pense que c'est tout ce qu'il y a là, quoi. On doit avoir les bonhommes de neige, des étoiles, des sapins, des cloches et des petits pains d'épices comme ça. Je te remercie beaucoup. Il y en a une, ça c'est clair, elle va se gaver. Elle adore ça, de toute façon, les bonbons. Et ce qui est bien, c'est que c'est un petit paquet comme ça. Donc au moins, ça bouge pas, quoi. Ça reste, on mange son petit paquet, puis après le reste, ça se garde bien. Non, c'est pas pour toi, ça. La chienne, elle regarde derrière, c'est pas pour toi. Et elle n'a pas envoyé de canapé à manger non plus, donc ça sert à rien de regarder. Ah non. Non, non, non. Ah là là, je vous jure. Pire que des gosses. Alors, ensuite, on a. Alors, ça, je les ai vus, je les ai pas pris. Et franchement, j'ai hésité à les prendre. Et je crois que je sais pas si c'est ceux-là. Parce que ceux-là, c'était ceux qui avaient une année. Et du coup, je sais pas si c'est les mêmes là. Ouais, si, sûrement. Hein. Et j'ai hésité à les prendre et du coup je les ai pas pris parce qu'il me semble qu'il m'en reste. Et je crois que ouais si c'est les mêmes que les autres années quoi. Donc en fait c'est des vous savez c'est des autocollants. Et ça c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Même si vous avez des enfants ou etc. pour décorer des petites choses. Enfin moi je trouve ça super sympa. Ou alors aussi pour faire des ATC. Enfin, après on peut faire plein de choses avec ça. Alors attendez, j'ai de l'ouvrir. Voilà, donc on a. Ah, enfin, nous avons un petit Père Noël. On a le sucre de canne, comme ça. On a le petit pingouin. Nous avons ensuite les boules de Noël, comme ça. Je sais pas si c'est les mêmes que les années d'avant. Nous avons une couronne. Ensuite, je vois qu'il y a autre chose aussi dessous. Si, il me semble que c'est les mêmes choses. Parce que les paquets cadeaux, c'était les mêmes, c'est sûr. On a les paquets cadeaux. On a le renne. Et voilà. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Mais je les ai vus, ces boîtes, j'ai hésité. Et après, je me suis dit, non, je crois qu'il m'en reste. Et donc, du coup, j'ai pas pris. Donc, je te remercie énormément de me l'avoir pris. Excusez-moi. Et bah, du coup, on pourra se faire quelque chose avec ça. Donc, je te remercie énormément. Et dans la boîte, franchement, il y en a un paquet, quoi. 150 pièces. Franchement, ouais. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà, pas mal de choses. Ah, mais le bonhomme de neige, je ne vous l'ai pas montré. On a le bonhomme de neige aussi. Vous voyez, on a vraiment tout pour faire. Hein. Donc après c'est enfantin, mais on peut faire des trucs sympas avec. Voilà, on fera des petites choses avec ça. Je te remercie beaucoup Véro. Ouais, je sais pas, j'appelle Véro, hein, tu m'en veux pas. Tu m'as rien dit la dernière fois, donc je peux continuer. Je sais pas quoi faire avec le carton. Je vais mettre par terre. Alors, ensuite, elle m'a envoyé des flocons. Alors moi, j'avoue, je suis passée là à la débauche. Quand j'ai débauché tout à l'heure, vu que j'ai Action qui est à deux. Pas loin, quoi. Vraiment. Il est à deux ronds-points de mon boulot. Et il n'y avait rien, quoi. Enfin, rien de ce que je cherchais forcément. Et il n'y avait rien de nouveau. Même dans les nouveaux blocs 30-30, pas de Noël. Mais ils ont rentré d'autres 30-30. Il n'y avait rien. Et ça me parle même pas qu'il y avait. Il n'y en avait pas de ça. J'ai pris deux trucs et des friandises pour la chienne. J'en ai eu pour 3 euros, je crois. Donc, voilà. Donc là, nous avons des flocons. Et puis, disons, violet comme ceci là, un peu ouais violet. Et nous avons des flocons blancs. Alors ça c'est sympa pour Noël, bah, déjà pour faire une décoration de table. Et aussi là pour le scrap, pour le coup, bah, vous pouvez les coller sur une carte, les flocons. Et après vous pouvez en faire des checkers. Donc c'est vrai que ça c'est super sympa. Enfin c'est ouais, super sympa à utiliser, c'est top. Je te remercie beaucoup. Je sens que je vais éternuer. Excusez-moi. Là, je vous dis, j'en tiens une bonne, là, très très bonne. Hier, j'ai fait un jus de citron, etc. Mais j'ai pas l'impression que ça ait marché. Ensuite, j'ai. Alors, est-ce que c'est du ruban? Ouais, c'est ça. Je savais pas si c'était du washi ou du ruban. Alors, avant de dire une bêtise, je préférais regarder. Donc, ça fait 2,5 de large et 2 mètres de long. Et il est vraiment super sympa. Ça fait un petit peu.
un petit peu couleur automnale, regardez ça. Et il est en liège. Je le trouve vraiment sympa. Alors, avec des petites fleurs, etc. Alors là, pour le thème automnal, c'est super sympa. J'aime beaucoup. Les couleurs et tout, elles sont chouettes. Je te remercie beaucoup. Je n'allais pas m'envoyer tout ça. Ça me gêne à chaque fois, c'est dingue. Oh, je les connais pas celles-là. Ah si. Je croyais que c'était plus. Les siennes sont plus allongées. C'est pas les mêmes. Donc là, on a des fleurs automnales. Mais c'est pas les mêmes. Bon, attendez, j'ouvre. J'ai le droit d'ouvrir. Vous me laissez l'autorisation d'ouvrir, s'il vous plaît. Merci. Alors, non, il me semble que c'est pas les mêmes feuilles. Si. Celles-là, elles sont plus allongées. Ah, cool. C'est pas du tout la même forme. Ouais, j'enlève ça de toute façon, ça sert à rien. Faut le garder. Ah ouais, c'est pas les mêmes que j'ai déjà en fait. Ou alors elles sont plus petites. Non, vous voyez, il y en a des comme ça là. Et dans les paquets que j'ai, moi, elles sont pas comme ça. Elles sont vachement plus grandes. Ah, génial. Ah, c'est top. Bon, je sais pas si c'est Action qui font ça. En tout cas, chez moi, ça y a pas. Hein. Ah, je t'en mon Action. C'est juste top pour faire un. Vous voyez, une superposition de feuilles. Ouais, franchement, elles sont trop trop chouettes. Enfin, j'aime, moi j'aime. Voilà, après les couleurs, voilà. Et en plus, voilà, elles sont plus fines. Je suis désolée, c'est catastrophique. Plus fines que les autres. Et ouais, elles sont terribles. Moi j'aime beaucoup, je te remercie beaucoup, Véronique. Sans déconner, j'ai l'habitude de voir les grosses. Mais moi j'ai déjà acheté les grosses, mais celle-là, je l'avais jamais vue. Alors je sais pas si elles viennent d'Action ou quoi. Mais en tout cas, c'est top. Faut que je me bouche. Je suis désolée. C'est une catastrophe. Et moi, j'ai tout le monde qui est malade au boulot, donc j'ai dû attraper la crève au passage. Et ma collègue, elle a sur du médecin, c'est une angine, donc je pense que c'est ça, quoi. Ce matin, cette nuit, je me suis réveillée, j'avais l'impression que j'avais la gorge qui était gonflée comme ça. Là, je pouvais plus avaler ma salive tellement que. Au moins, je me dis, si je l'attrape maintenant, la crève, j'aurais pas plus tard. Mais c'est rare, hein, que j'attrape maintenant. Mais merci beaucoup, Véronique. C'est rare que ça fait longtemps que je n'avais pas attrapé. Alors ensuite, alors ça j'en ai pris dernièrement en plus. Donc c'est des lettres comme le Scrabble. Voilà. Alors j'en ai repris parce que je me suis dit je vais peut-être faire quelque chose. Ou alors peut-être faire des tableaux pour Noël, pour offrir, pourquoi pas. Donc j'en ai déjà. Donc écoute, et là ça. C'est bien parce que comme ça, s'il me manque des lettres, alors moi je les aurai. Parce que souvent, vous savez, il nous manque des A, des E, enfin les lettres qui sont les plus communes. Et donc là, au moins, je sais que s'il me manque, je les aurai. Maintenant, je ne sais pas si ça vous dirait que je fasse en vidéo. Je ne sais pas du tout encore comment je vais faire ça. J'ai vu des tableaux, mais après, bon, ben, c'est toujours les mêmes trucs, comme ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je fasse une vidéo pour ça? Vous me le direz en commentaire. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup parce que voilà, s'il me manque des lettres, au moins, je pourrais les utiliser. Après, si vous avez des liens à me proposer de choses qu'on pourrait faire avec les grosses lettres comme ça, je suis preneuse aussi. Ouais, franchement, je suis preneuse. Je te remercie beaucoup, mais il fallait pas m'envoyer tout ça. Ça me gêne, hein, je te jure, ça me gêne. Alors, ensuite, nous avons. Alors, et tu sais quoi? Alors, je vous ai dit, je suis allée à Action. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'en ai pris qu'un. L'autre, j'aimais pas trop. Alors, j'ai pris le nouveau washi. Ils avaient fait l'année dernière. Et l'année dernière, j'avais pris parce qu'il y avait des chiffres. Je ne sais pas si vous vous rappelez. De 1 à 25, etc. Et j'avais les deux dans la main. Après, j'ai dit, bon, les washi, j'en ai plein, etc. Et j'ai dit, bon, je prends celui-là, le basique. Vous voyez, comme ça au moins, voilà, c'est rouge, etc. Et l'autre, il était joli aussi, il était dans les tons de bleu, mais bon, voilà, c'est pas mes couleurs, donc j'ai pas pris, donc je me suis dit, je prends que celui-ci. Et j'ai reposé celui-là. J'ai hésité, hein, à prendre les deux. Et toi, tu m'envoies celui-là, c'est juste énorme. Franchement, je suis rentrée il y a,
avant de faire la vidéo, là. Donc il y a un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Franchement, c'est terrible. Tu m'en envoies un qui n'est pas, ben, qui est pas du tout le même que moi j'ai pris. Et en plus, c'est lequel j'ai hésité à prendre, quoi. Donc, franchement, Véro, ouais, t'assures. T'as peut-être pas fait exprès, mais c'est top, quoi. J'hésitais vraiment entre les deux. Celui-ci, il y en a qui me plaisait, voilà, justement, avec les numéros. Après, il y avait l'autre avec le fond bleu qui me plaît moins, mais bon. On peut toujours faire quelque chose avec. Alors, hop là. Donc, vous avez dû les voir passer hein, dans les halls, etc. De toute façon, mais je vous montre. Donc, vous savez, c'est les washi avec. Ici, on a une lame en fait. Et comme ça permet de découper directement le washi. Comment vous dire que moi, l'année dernière, j'avais tout sorti. J'avais découpé comme ça. Je m'étais pas servi de la lame, ça m'enquiquinait plus qu'autre chose. Ah, mais en plus, il y a le rose et tout. Trop bien. Putain, t'as bien vu. Là, lui, il est caché, en fait. On le voit pas. Hein. Et ceux du bar, on les voit pas. Bon, après, ceux du bar, j'ai envie de vous dire, le doré, là, j'en ai à la pelle. Parce qu'à chaque fois, ils en mettent de ça. Par contre, j'ai vu des rubans, c'est pareil. J'hésitais à les prendre. Des blancs et rouges. Il y avait d'autres couleurs, mais j'ai pas eu trop de temps. Et puis, j'avais la tête tellement grosse comme passée que je me tardais de rentrer. J'ai pas trop regardé, je regarderai plus tard. Et j'ai hésité à les prendre aussi, mais j'ai pas pris. Et ils étaient vraiment super beaux, un ruban blanc avec dessus, c'était des papiers cadeaux rouges et c'était vraiment sympa. Bref, on s'en fiche. Donc, voilà. Après, on a un du hou. Mais voilà, vous voyez, c'est sur fond rose, donc ça pourra peut-être aller avec les blocs roses, justement. Après, on a celui-ci, voilà, c'est un basique aussi qu'ils nous mettent souvent. Là, on a avec les numéros, c'est trop bien. Et après, on a celui-ci en bleu avec le petit bonhomme de neige et les boules de Noël. Voilà, et moi j'adorais celui-ci. Alors, j'aimais bien avec le 25, quoi. Et c'est les chaussettes. Celui-là, voilà, c'est pour ça que je voulais le prendre, en fait, juste pour les petites chaussettes. Et bien, en fait, je vois que lui, là, en haut, il est trop, trop chouette. Il est rose et il y a marqué Xmas, donc Christmas. Mais il a un petit ours, regardez. Il est choupi. Ah, j'adore, je te remercie beaucoup, c'est trop bien. Mais j'ai vraiment. Je l'avais dans les mains et je l'ai reposé, quoi. Bon, j'ai dit non, je verrai plus tard, c'est bon, quoi. De toute façon, ça arrive juste. Je pense que voilà, ils vont quand même nous les laisser jusqu'à Noël, quoi. Ils vont pas nous mettre Pâques début décembre, quoi. Il faut nous laisser quand même un peu de temps. C'est super sympa. Je te remercie beaucoup, Véro. J'adore. Oh, mais fallait faire. Putain, Véro. Eh oui, là, tu m'as. Oh, putain. Tu m'as carrément pris trois planches. En plus, je l'ai dit là, tu m'as écouté dans une dernière vidéo que j'avais utilisé tous les comme ça et j'ai dit il faudra que j'en rachète. Oh, mais fallait pas. C'est trop bien. Merci, franchement, merci beaucoup. Et tu m'as pris deux planches en rouge et blanche. Alors, ça, c'est top. Et je pense en utiliser de celle-ci là pour Noël, justement. Voilà, rouge et blanc, etc. Je pense que ça, il y aura, c'est sûr et certain. De ça, j'en utiliserai pour Noël de ces couleurs. Mais là, franchement, je suis super contente. Il fallait pas. Ça, et franchement, ça me. Tu m'en as pris 3 en plus. Sans déconner. Et en plus, je suis allée tout à l'heure, j'ai même pas pensé à regarder, à en prendre. Je vous dis, je regardais surtout ce qui avait sorti un petit peu, genre en nouveauté, mais il n'y avait rien de fou. Et puis, dans les dies, j'ai pas envie de. Pour l'instant, d'en prendre. Moi, je te remercie beaucoup, Véronique. Fallait pas, franchement. J'arrive plus à parler. Non, mais attendez, il y en a d'autres. Il y en a un autre en gris et blanc. Ah, celui-là, j'adore. Celui-là, pour tout ce qui est vintage et tout. Mais alors, celui-là, les couleurs. Et celui-là, c'est pareil, on peut s'en servir pour tous les thèmes hiver. Vous voyez, vraiment, argenté et blanc, comme ça. Franchement, pour le thème hiver, celui-là, il est canon, quoi. Moi j'adore, de toute façon ça c'est mes couleurs quoi, c'est gris, blanc comme ça. Je trouve ça trop trop joli et je trouve que ça s'accorde super bien ensemble. T'es juste top. Merci, merci. Voilà. Alors là j'ai un petit cadeau, elle me l'a dit pour Elia. Donc bah, je lui ferai ouvrir bah, 83 de l'école tout à l'heure, d'accord. Donc je te remercie à l'avance pour elle, mais voilà, je lui ferai ouvrir.
Je lui ferai ouvrir, ben voilà, que elle ouvre en fait, qu'elle ait son petit paquet à ouvrir. Mais je te remercie d'avance pour elle. Ensuite, nous avons des rubans avec du. Oh, ils sont beaux. Alors, ils en avaient fait, je sais plus quand ça, parce que j'en avais acheté, mais c'est pas du tout les mêmes. Enfin, là, c'était pas les mêmes dessins comme ça. Et l'année dernière, ils en avaient fait aussi comme ça, mais pareil, c'était pas du tout les mêmes dessins que j'avais pris justement pour aller avec le bloc bleu de Noël. Vous savez, le bleu et doré qu'ils avaient fait là, qui est juste splendide. Et que là, vous voyez, quand vous passez les années, vous dites l'année dernière, j'aurais dû en prendre au moins, je sais pas combien des blocs comme ça, si ça se trouve, ils en referont jamais. Donc, mais ils sont super sympas. Oui, je ne les ai pas vus ceux-là. En même temps, je n'ai pas regardé les rubans. Le bleu nuit comme ça et doré, ça rend super bien. Je te remercie beaucoup. Alors, le rose, il déboîte aussi. J'aime beaucoup. Avec le doré dessus, franchement, ça rend super bien. Et je suis désolée, je suis vraiment... Là, et alors lui le bordeaux là franchement franchement je les aime tous là avec les flèches ça rend super bien. Bon les autres je les connais mais ils sont jolis, mais là celui-là j'aime bien celui-là et celui-là franchement j'aime beaucoup en bordeaux comme ça. Ça va être super sympa pour aller avec les blocs justement de Noël ou même autre hein. Mais franchement ils sont super jolis. Ah, ils font 1 mètre de chaque, les 5 rubans. Et celui-ci, il est comme ça. Vous voyez, il rend super bien. Il rend moins bien la caméra. En vrai, il rend mieux. Oh, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Alors, ensuite, nous avons un des nouveaux dies. Comme ceci. Alors, je ne sais pas si je l'ai pris. Moi, je sais que j'en ai pris. C'est vrai que je ne l'ai pas montré dans un haul. J'ai pris ceux que j'aimais en fait, et mais j'attends un petit peu bah parce que j'avais pris que ça. Je crois que c'était un jour pareil comme aujourd'hui. Je suis rentrée dedans, j'ai pris trois merdes et c'était ça. Et donc, j'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui avaient fait des vidéos test sur ça. Moi, comme je vous ai dit, pour Noël, j'attends. Franchement, on commencera peut-être novembre les vidéos, mais je ne veux pas mettre du Noël maintenant. Mais en tout cas, alors ils ont toujours fait des dies avec des tampons et tout pour Noël qui sont super sympas chez Action. Et c'est vrai que cette année, moi je trouve qu'ils sont vraiment jolis quoi. Vraiment jolis. Parce que là, c'est vraiment. Alors là, vous voyez, on a la découpe de dies. D'accord? Je sais pas si vous voyez quelque chose. Là, en dessous, on a les tampons. Et en fait, ben, il y a tout qui s'accorde dedans quoi. Donc en haut, là, vous mettez le nœud qu'il y a ici. Enfin, vous tamponnez. Ensuite, vous tamponnez l'arc de cercle en sapin en bas là. Et voilà, là, ici là. Non, c'est chouette. Hein. Franchement, je te remercie beaucoup. Donc, voyez, ça donne ça en fait. De toute façon, vous avez dû les voir passer. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo dessus. Et puis. Le jour où j'ai acheté, j'avais pris que ça, donc. Mais il me tarde de les tester, ça. Franchement, il me tarde. Mais bon, pour l'instant, on est encore un petit peu trop tôt quand même. Hein. On va laisser un peu l'automne. L'automne qui arrive à grands pas et qui nous rend malade. Et puis après, on verra. Ensuite, on a des stickers comme ceci. Alors, ceux-là, je les avais vus. Pareil, je les avais trouvés sympas. Alors ça c'est une nouveauté, par contre c'est des nouveautés qu'il y a de chez Action. Donc en fait c'est des stickers un petit peu... alors c'est quoi ça comme... comme forme, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, ils sont comme ça et je trouve que voilà, avec les petits mots et tout ça fait sympa. Maintenant j'avais pas pris parce que je savais pas trop comment les utiliser. Donc là tu me donnes une occasion de tester. Pour les mettre quelque part. Donc on les a dans les tons bleu, gris comme ça et un peu noir. Et on les a par contre après en couleur un petit peu plus peps. Voilà. Comme ceci.
Alors après, ça peut être juste un petit truc décoratif qu'on met sur un côté. Bon, après, les mots, on les utilise en mots, bien sûr, pour mettre sur une carte ou. Mais à voir après comment je peux les utiliser. Je ne sais pas du tout encore. J'ai pas de. D'idée en tête. Il faudra que je réfléchisse. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup. J'étais en train de réfléchir. Est-ce que ça passe si on fait comme ça? Ou est-ce que ça passe si on fait comme ça? Je ne sais pas. Oh, génial ça, ce truc. C'est cool après. Alors là, on a des autocollants un peu dans ce style-là, mais ceux-là, ils sont en carton. Là, ils sont genre un petit peu plastifiés avec des fleurs dessus. Ça, là, le tour. Alors, j'avais acheté un beau bloc tournesol, hein, vous le savez. J'ai eu le temps de rien faire, j'ai rien fait avec. Je suis dégoûtée. C'était pour l'été, tout ça, je l'avais prévu et j'ai rien fait avec. Je suis verte. Franchement, elles sont super jolies. Ça fait photo. J'aime beaucoup. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est gentil. Je suis obligée. La fièvre qui commence à. J'ai pas de fièvre, mais bon. Ça fait chaud, chaud, chaud. Alors, ensuite, tu m'as envoyé Ok, elle m'a envoyé des DIY cards que j'affectionne, vous savez. Alors, il y en a plein qui m'ont dit, moi, j'aime pas, etc. Moi, j'adore. J'adore ces trucs-là. Et à l'époque où j'ai commencé le scrap, Action, ils en faisaient, mais toute l'année, en fait. Ils faisaient pas que à Noël. Il y avait vers les bases de cartes, etc. Il y avait des choses comme ça. Alors, sur le thème bébé, sur le thème fleur, etc. Ils en faisaient tout le temps, en fait. Et maintenant, c'est vrai qu'ils en font plus, à part pour Noël. Je trouve ça dommage parce que c'est vrai que c'est sympa. Alors, ceux-là, c'est ceux de l'année dernière. Donc, l'année dernière, c'est vrai que je crois que j'avais pratiquement. Excusez-moi. Je crois que l'année dernière, j'avais tout utilisé. Ou il ne doit pas m'en rester beaucoup. Donc, c'est top parce qu'au moins, ben, je vais pouvoir refaire des choses avec ceux-là, quoi. Celui-là, je l'aimais trop avec les petits pots comme ça. Après, vous voyez, l'année dernière, on avait des Pères Noël. Et c'était vraiment plus, je sais pas, plus Noël que cette année. Donc, c'est top. Je suis super contente de l'avoir, quoi. Celui-là, j'adore. Il est trop, trop beau aussi. Ensuite, on a celui-là. J'en peux plus. Ah, celui-là, c'était mon préféré. J'adorais. Je sais même pas si je n'ai pas fait un album. C'était pas avec celui-là. Je sais plus. Je sais qu'on avait fait un album avec un bloc comme ça. Ça là, celui-là, j'adore. Celui-là aussi, il est super beau. Ah, je te remercie beaucoup, Véronique. C'est génial de me l'avoir envoyé. En plus, je les ai vus la dernière fois. J'ai vu qu'il y en avait remis. Et j'ai dit, bon, je prends que les nouveaux. Mais voyez, les anciens, finalement, ils sont sympas aussi, franchement. Celui-là aussi, il est beau. Avec, genre, le Père Noël. Vous voyez qu'il y a la liste des cadeaux et tout. C'est vraiment le vieux Père Noël, etc. J'aime beaucoup. Et là, dans les pots comme ça, j'aime bien aussi. Ah, mais je te remercie beaucoup. C'est génial. Donc, en fait, vous pouvez faire. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre les modèles, mais vous pouvez faire en fait toutes les cartes. Vous voyez que vous avez là. Et après, ensuite, nous avons celui-ci en noir et doré. Alors, celui-ci, il me semble que je l'ai pris ou pas. Je ne me rappelle pas du tout. Mais c'est sûr que j'ai rien fait avec. Ou alors, je ne l'ai pas pris. Je pense que j'en avais et qu'il me restait des années d'avant en doré, comme ça et tout ça. Donc, je crois, ça ne me parle pas. Donc, c'est top que justement, tu me l'as envoyé parce que du coup, je crois que non, ça. Non, c'est sûr et certain, je ne l'avais pas pris. Je l'avais pas appris et je crois qu'il y avait un gros en noir et comme ça en grand. Pareil, j'avais pas appris parce que je crois qu'il m'en restait des années d'avant. Et donc c'est top. Ouais, c'est franchement, c'est trop bien. Donc on a celui-ci avec les deux boules. Et c'est pareil, noir et doré, comme ça rend bien. Moi je trouve que voilà. J'aime bien aussi faire des couleurs, je vous l'ai déjà dit, qui changent pour Noël. Ensuite, on a un grand sapin comme ça, là, qui est joli. Je suis désolée si je parle du nez. Celui-là, j'adore, ils sont trop choueux, là.
les petits lutins, enfin les je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, on a celui-ci avec le cerf. Après, on a celle-ci. Celui-là, ça serait sympa de le mélanger avec, vous savez, le blanc et bois, justement. À voir. Après, on a celui-ci. On a un petit casse-noisette. Des cadeaux par milliers. Merry Christmas. Oh, oh, oh. Après, on a celui-ci. Après, on a celle-ci. Après, on a celle-ci. Il faut que je regarde l'heure aussi parce que j'ai lieu à aller chercher au collège à 4 heures. On a celui-ci. Non, c'est sûr, je ne l'ai pas pris. Ça ne parle pas du tout. Autant, on en a des choses de scrap, mais on sait toujours quand même un petit peu ce qu'on a. Et celui-ci, c'est sûr, je ne l'avais pas pris. Comme je vous dis, maintenant, je prends plus pour prendre. C'est comme le 30-30 avec les dinosaures. J'ai pas pris, moi. Je vois pas, et puis je vois pas pourquoi ils ont fait ça, d'ailleurs. Je trouve ça un peu. Si, peut-être pour faire un truc pour enfants, mais même si vous avez une petite fille, vous n'allez pas faire un papier avec des dinosaures. Enfin, je sais pas. Eh bien, je te remercie beaucoup, en tout cas. C'est super sympa. Voilà. Merci, merci, merci. Allez, on se bouge un petit peu avant de finir. Et après, j'ai vu qu'elle m'a envoyé d'autres grands blocs, pareil, dans le même style. Alors là, pour le coup, c'est Noël avant l'heure, Véronique, sans déconner. Tu m'as gâté. De dingue. Donc là, si j'ai pas de quoi faire des créas de Noël, eh bien à moi la peur. Donc ceux-là, je crois. Ça c'est un nouveau. Et ça c'est un nouveau, c'est un ancien. Je sais plus. Il y a du Père Noël, donc il me semble que c'est pas. Je sais pas. Non. Mais en tout cas. Je sais plus. Bref, nouveau ou ancien, je sais pas parce qu'il y a un Père Noël, je me rappelle pas d'avoir vu. Alors, on a celui-ci en bloc. De toute façon, j'utiliserai. Je pense, voilà, on fera plusieurs albums. Même si c'est des albums où il y a des reliures, des choses comme ça qu'on a déjà utilisées ensemble, c'est pas grave. Non, ça c'est des nouveaux parce que il n'y avait pas les die cut avant en début comme ça. Je vais mourir. Hein. Alors, du coup, là, on a des die cut. Donc, on a le Père Noël, mais je me rappelle. Alors, j'avais dû sauter ce page, je pense. Lui, il me dit rien. Et après, on a plein de petites choses sur Noël comme ça. Je trouve ça trop, trop chouette. Là, j'ai déjà vu. J'ai commencé à regarder aussi. Alors, ils font plus les petits sapins, etc. Je suis dégoûtée pour faire les centres de table, etc. Ou alors, ils ne les ont pas rentrés. Donc, là, je commençais à regarder un petit peu tout ça. Mais j'ai l'impression que les prix, ils ont. Non, et j'ai l'impression que ça a augmenté un petit peu. Je sais pas si c'est moi, mais ouais, voilà. Donc je commençais à regarder un petit peu pour essayer de budgéter un petit peu tout ça et on verra bien. Donc du coup, bah, vous avez un papier vélum, hein, comme toujours. On a celle-ci. Bah, ça ne me parle pas celui-là pourtant. Pourtant si je l'ai. Et là, enfin, j'adore cette page parce qu'elle est un petit peu, on dirait, vous voyez, comme si elle était un peu vieillie, quoi. Après, on a un rouge qui est vraiment très. Hein? Pailleté, mais ceux-là, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, ils sont plastifiés. Donc, pour les coller, c'est pas terrible, terrible. Alors, on a celle-ci avec des chevaux à bascule, un patin à glace et des boules de Noël. Après, à carreaux vert et rouge, comme ça, super. Ensuite, on a des bonhommes de neige avec des cadeaux. Après, on a à carreaux comme ça, typique, de toute façon, ça c'est typique des trucs américains, etc. Moi j'adore. Celle-ci aussi, elle est belle. Fait comme un petit, comme de la maille de pull en fait. Après, on a celle-ci. Alors, ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez, genre, je sais pas, mettre ça en fond, coller ça dessus. Et là, vous colorisez juste deux ou trois trucs en rouge. Et franchement, ça fait sympa. On a celle-ci, pareil, elle est super belle. Ça fait comme, vous savez, les tapis là au sol et en moumoute là. Ouais, ben ça fait exactement pareil. C'est excellent.
Ça ronfle, là, vous voyez, vous entendez derrière, comment ça... Elle dort, elle. Donc là, après, on a tout ça en die cut, c'est juste énorme. Ils sont trop chouettes. Après, on a ça. C'est joli aussi. Je regarde en même temps que vous, hein. Je vous laisse regarder. On a un petit chaton dans la malle. Coffee shop. Si je l'ai su. Ça me parle. Mais c'est pas grave si j'en ai plusieurs. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Au contraire, ceux-là, j'adore. Elles sont trop beaux. Et là, on a un deuxième vélon. Oh, je te remercie beaucoup, beaucoup. Fallait. Et après, nous avons celui-ci. Celui-ci, c'est mon préféré. Enfin, c'est pas mon. C'est les couleurs en fait que je sais pas, ils ont fait cette année pour Noël que vraiment j'aime bien en fait, genre au naturel, avec du bois, etc. Et franchement, j'aime bien en fait ces couleurs. Voilà, ça change un petit peu. On n'avait jamais fait encore, donc j'aime bien moi. Voilà, donc on a tout ça en die cut. Ensuite, nous avons une feuille de vellum. Ensuite, vous voyez, on a voilà, en bois, en verre et tout ça. J'aime bien. Ensuite, on a celle-ci. Par contre, celle-ci, elle flash aussi. Hein. Là, vous voyez, on a comme ceci. Ensuite, on a celle-ci que j'aime beaucoup. Ah, j'adore. Moi, franchement, je suis trop fan. Ah, bon, on a celle-ci. Alors, pourtant, le verre, c'est pas mon dada. Mais là, je sais pas. Tout ce qu'ils ont fait en voilà, bois et blanc, comme ça, là. Je sais pas. Moi, ça me. Je trouve ça trop trop sympa quoi. Là, je sens que je vais m'éclater. Il me tarde de commencer à faire des choses. Ensuite, on a celle-ci aussi qui est très jolie. On a celle-là qui est trop belle aussi. Franchement, c'est un verre. Excusez-moi pour le gros mot. Chez nous, c'est pas un gros mot, hein. C'est un point. Voilà. C'est pas des gros mots chez nous. Et franchement, je te remercie beaucoup de m'en avoir renvoyé. Parce que j'en ai deux, je crois, de chaque. Mais. Ouais, je me dis là que je peux faire plein de choses avec quoi. Donc là, en die cut, on a tout ça. C'est juste top. On a même des petites pantoufles. Ou des chaussons. Ensuite, on a ça. Le cheval à bascule, il est trop beau. Ensuite, nous avons ça. Nous avons encore lui, là, le petit genre de petit lutin, là. Ça, c'est Miss Miu Miu qui adore ces petits bonhommes, là. Ensuite, on a ça. Les couleurs, j'adore. Ah, je suis trop fan. Ensuite, on a ça. Ensuite, nous avons ça. La forêt, là aussi, elle est belle de sapin. Ça fait un peu comme si c'était aquarellisé ou un truc comme ça. Et après, nous avons une dernière feuille de vélum. Je me recule quand même pour tousser. Et voilà, nous avons fini le colis de Véro. Franchement, Véro, t'as craqué ton slip, on va dire. Fallait pas m'envoyer tout ça, sans déconner. Ça, c'est ouais, c'est trop. Mais je te remercie, je te remercie, je te remercie énormément. Franchement, là, bien vu, j'ai failli le prendre. C'est trop trop bien, je suis trop contente. Ça c'est pareil, j'ai failli les prendre mais j'ai hésité. Après je me suis dit non et tout. Donc voilà, pareil, je suis super contente. Et d'avoir reçu ta carte sketch, bah, c'est génial. Voilà, il y a pas, c'est juste autant que je te remercie énormément. Mais tu sais, tu aurais pu juste m'envoyer ta carte. Ça m'aurait fait tout autant plaisir. Mais franchement, merci, merci énormément. Et je te remercie aussi pour Elia. Elle va l'ouvrir tout à l'heure. Bon, mais sur ce, la team, je vous laisse parce qu'il est déjà 3h15 et qu'il va falloir que je décolle sans tarder. Moi, je vais aller essayer de me faire un citron pressé avec du miel parce que là, j'en peux plus. C'était pas prévu que je fasse justement une vidéo aujourd'hui parce que je suis malade, mais je voulais ouvrir le colis de, de Véro. Excusez-moi. Bon, mais sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Il y en a une qui est en route, comme je vous ai dit, sur mon groupe Facebook. Donc, j'ai commencé la première partie. Mais là, il va falloir que je continue.
Donc dès que j'ai le temps, demain après-midi, j'espère que j'aurai le temps de la faire. Et je parlerai moins du nez aussi parce que sinon vous n'allez rien capter. Déjà que des fois, je ne sais pas si vous captez bien ce que je dis. Donc du coup, voilà. Bon allez, moi je sur ce, je vous fais des gros gros bisous. J'arrête de parler là parce que, hein. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Allez, bisous bisous.